أسعد الله أوقاتكم بكل خير إلى حضراتكم موجز الأخبار. أهلا زميلة شينا. أهلا وسهلا أول معالي. في إطار عملية توعية الناخبين في مختلف مناطق الوطن بأهمية المشاركة في عملية مراجعة السجل الانتخابي، فقد وصل عضو المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ آدم فرتي أحمد إلى مدينة لوعة بولاية بحيرة تشاد بهدف توعية مناضلي ومناضلات الحركة، لا سيما الشباب والنساء والذين غيروا أماكن إقامتهم إلى التوجه إلى مراكز مراجعة السجل الانتخابي لتسجيل أسمائهم، استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة. عقد مناضلو حزب الأمل من أجل الجمهورية والديمقراطية والتنمية المؤتمر العادي الثالث تحت شعار الحزب في مواجهة التحديات المستقبلية للانتخابات. وخلال الجلسة قدم رئيس الحزب عبد الله مبدو بامي كلمة شكر فيها أعضاء المكتب التنفيذي، مذكرا الحضور بأن المؤتمر جاء من أجل توحيد صفوف المناضلين لمشاركة الحملة الانتخابية القادمة. إلى هنا قد وصلنا بكم إلى نهاية موجز الأخبار، شكرا للمتابعين. شكرا فاطمة أبو المعالي. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash d'information bilingue. Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Patale Géo, a fait un point de presse ce matin dans son bureau. Un point de presse relatif à la visite du travail effectuée à Dandi et Dugyal au vendredi 9 octobre 2020. Il a fait savoir que ces zones touristiques abandonnées suite à la menace de la secte Boko Haram sont maintenant en sécurité et rassure la population et les touristes que le calme est revenu dans ces zones. Patale Géo invite la population tchadienne et autres touristes à venir découvrir les merveilles culturelles et touristiques de ces zones. L'action pour la République et le développement ARD affecte ses armes pour la bataille politique qui pointe à l'horizon. Cela se matérialise par la tenue de ce troisième congrès extraordinaire du parti dont le thème est l'ARD face aux défis des futures échéances électorales. Selon le président du comité d'organisation Baïkoula Judas, toutes les dispositions sont prises pour permettre aux participants venus des provinces et ceux de N'Djamena de pouvoir travailler dans des conditions optimales afin d'atteindre les résultats escomptés. Le président de l'ARD, Abdoulaye Mbadoumbami, a quant à lui appelé les congressistes à plus d'engagement dans leurs débats afin d'adopter les textes aux réalités actuelles. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour le flash d'information de 13h30. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé-Tchad. Il a l'air. Il a l'air.